Tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève. Ce soir, en Côte d'Ivoire, en Afrique, de l'Ouest et dans le monde entier, on saura que Jésus a capable de l'amour. Jésus a capable de l'amour. Il y a un monsieur qui m'a écrit. Il dit, pasteur, ton message m'a plu. Monsieur le béni m'a fait passer sur un bénitude. Il a payé pour 6 mois. Donc chaque semaine, je passe. Mon message est passé au du midi. Il m'a appelé, il m'a écrit. Il dit, ton message était bien. Donc pourquoi tu dis aux gens de venir en tenue de guerre et un balai? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Pourquoi on vient en tenue de guerre et un balai? L'Éternel de l'Ancien Testament était appelé comment? L'Éternel des armées. Dans l'armée, il y a quoi? Il y a armes. Un policier n'a qu'à s'arrêter en tricot sur la route. Et puis, il n'a qu'à dire aux voitures de passer. On ne va pas l'écouter. Mais quand il est entré, il militaire. Faut passer, diable, parce qu'il faut passer. Alléluia. Sauf la gens de la PJ. Eux, au moins, ils s'habillent comme les jeunes. Mais tu es obligé de porter ta tenue, sinon on ne te croit pas, on ne te respecte pas. Nous sommes en guerre. Amen. Ah, dis, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La main que tu as poussée là, privatisation, on va dire ouais. Il y a des gens qui prient le Seigneur. Attends, le Seigneur, c'est la dernière année. Janvier, on a fait. Février, on a fait. Mars, on a fait. Avril, aujourd'hui est la tête. Oh, la façon que tu as crié là. Le cimetière va libérer ta grâce. Le cimetière va libérer ta grâce. Le cimetière va libérer ta libération. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants? Amen. 2,50. 2,60. 2,70. 2,80. 2,90. 2,90. L'équipe 2,90. 2,91. 2,92. 2,93. 2,94. 2,95. 2,96. 2,97. 2,98. 21h. Un petit qui s'appelle l'apôtre des nations a reçu du Seigneur qui doit faire quoi? Une veillée. Le 9 mai 2003. En ce moment, il y avait deux policiers qui passaient. Deux,
Deux corps à bien qui passent à la haine chaque soir. Yao, yao, Jules. Et puis Goiri, ils étaient deux. Quand ils venaient, ils disaient, oh le cœur, le couvre-feu passe du 5 au verset. On était habitués à ça. Mais moi, Dieu m'a dit de faire une veillée. Il va enlever le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. Ivoirien. Il arrive au foyer des jeunes, celle qui donne le sac s'appelle madame Eva Yola. Elle dit bonsoir madame, monsieur le pasteur dit. Le Seigneur dit de faire couvre ses enfants dorment à 21h. Ça ne l'arrange pas. Elle dit c'est interdit. Elle dit Dieu dit de faire. Elle dit c'est interdit. Elle dit Dieu dit de faire. Elle dit c'est interdit. Elle dit Dieu dit de faire. Elle dit va demander l'autorisation au commissariat, au 9h. S'il te donne la permission, tu viens, je te donne une salle. Je suis allé au 9h. Dès que je suis arrivé au comptoir, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Je suis venu voir le lieutenant Clément, l'officier de police. On ouvre la porte, il me regarde, il dit c'est qui? Il dit c'est le pasteur Maurice. Je vais faire une veillée. Il dit la Bible dit de respecter les autorités. Ça que tu n'es pas un homme de Dieu. La Bible dit Dieu dit de faire une veillée. Les Ivoiriens dorment à 21h. Ses enfants ne peuvent plus prier. Il n'y a plus de croisade. Il n'y a plus de veillée. Dieu veut enlever. Il dit c'est interdit, il dit Dieu dit de faire. L'officier Clément me regarde et dit, c'est une patrouille de. Vous savez le foyer des gens de Magorise au bord de la route. Donc quand ils patrouillent, ils vont voir forcément nous voir. Il dit c'est une patrouille, passe. Et l'autre il vous frappe. Il dit non, quand nous tuer. Il dit bon, ok, allez faire la veille. Il m'a donné l'autorisation. Le seul pasteur à Magorise qui a fait affiche. Il a écrit venez. En bas, il a dit venez. Sécurité. Moi, je suis collé devant le commissariat. Si quelqu'un me critique, expliquez-lui cette histoire-là. 2003, je suis le chef de guerre. Et il y a un super important. C'est pourquoi mes enfants qui voyagent, qui sont là en Tunisie, en France, et vous me dites une seule chose. Tes prières. Ça me manque. Ta manière de prier en quelque part, ça quelque part. Tu nous as formé le Dieu. Je suis témoin. Et vous, les enfants, amusez-vous. Les sorciers ne peuvent plus rien faire. Alléluia. Le 9 mai 2003, on était 4 pasteurs. L'évangéliste Kofi, Augustin, Yao, Roger, Charles, Baudelaire, et puis moi. Il y a collé. Déjà, les chrétiens voulaient veiller. Le foyer des jeunes de Makori est bourré jusque dans la cour. Quand on met louange, imaginez où est la graine partout où vous rentrez là. La louange fait le tour et puis ça sort dans la cour. Tellement que le rang de la louange est tellement immense. D'autres sont dans la cour et puis d'autres rentrent dans la salle. À 1h du matin, on dit, le policier t'appelle. Je suis arrivé. Il dit, c'est pourquoi on ne voulait pas te donner la salle. Les gens qui habitent dans les quartiers nous appellent au comptoir pour dire un pasteur nous gêne, on veut dormir. Vous voyez les Ivoiriens comme ils ont mauvais. On prie pour lever le couvre, et ils appellent le commissaire pour dire, nous on fait du bruit. Et puis on regarde, ils disent, on t'a rien donné. Il y a un quelqu'un de lui a rien donné. Pasteur, fais peu de bruit. Il dit, à compris. Tout le monde m'attendait dehors. Ils vont faire quoi à leur papa. Quand je suis rentré, il n'a même pas dit, ils disent, fais moins de bruit. Il a dit au batteur, fais du bruit. Pianiste, fais du bruit. Est-ce qu'on peut. Ah, est-ce qu'on peut. Il dit, crie, on a crié là. Les libérés me disent ça va. L'enfant a été tué. Il dit, crions. On a crié. À 4h du matin, j'ai pris le micro, j'ai fini à 6h. Je me suis dormi vers 7h. Mon sommeil se coupe à 11h. Je me brosse, je me lave. Je me m'assois au jardin. Les gens sont en train de jouer. Scribble. Je suis à côté, je les regarde. En ce moment, on est le 10 mai 2003. Ah, yao, Jules, on dit, le couvre-feu passe de combien là? Jusqu'à la fin du mois. Donc, normalement, ma veillée même est grillée. Le couvre-feu finit quand il dit ça finit le 25 là. Quand on approche, il relance encore. Donc, on était grillé. La veillée finit. Je vais m'asseoir, la jeune du scramble. Un coup comme ça, vers midi. Tu entends?